Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux en ce 25 juin 2019 8h51 heure du Québec, heureux de vous retrouver fidèles et nombreux. Ceux qui sont pas encore avec nous, faites-le maintenant. Le grand minimum solaire, les changements climatiques, les changements sociaux qui nous attendent, c'est vraiment primordial de comprendre tous ces événements là en même temps pour voir ce qui va nous arriver. Mais il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes aussi, et c'est comme de retourner dans le passé. L'histoire hein, qu'on nous donne dans les livres, souvent, est coupée de bouts très importants. Pour arriver aujourd'hui, on a pris des raccourcis qui faisaient notre affaire, hein, parce que pour aller à un point déterminé, plusieurs routes sont possibles. Tu peux prendre des routes qui vont t'allonger un peu ton trajet, mais qui vont te permettre de découvrir plein de panoramas, plein de sites, plein de gens. Et tu as des routes qui sont aussi ce qu'on appelle des raccourcis qui vont t'amener le plus rapidement possible à la destination recherchée. Mais quand tu prends ce raccourci-là, tu manques beaucoup, 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 beaucoup de choses. Tu manques beaucoup de gens, tu manques beaucoup d'événements, tu manques beaucoup d'histoires. Et c'est ça un peu le problème et qu'on est en train de... Peut-être en train de régler avec tous ces gens qui s'intéressent à l'histoire, aux événements, qui s'intéressent à vouloir comprendre ce qui s'est passé et qui nous remettent en question des, des, des dates, même et des datations d'événements majeurs, comme par exemple le Sphinx n'aurait pas été construit il y a quelques milliers d'années seulement, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et il y a des preuves très solides pour avancer. Ces théories. Donc, c'est des gens qui ont décidé de se rendre au même point, le point actuel, mais qui empruntent, qui empruntent les vraies routes et les milliers, les milliers de routes que l'histoire peut avoir. L'histoire a plusieurs, plusieurs facettes. Il n'y a rien de faux, mais il n'y a rien de complet. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ça qui est fascinant. Là, on va revenir sur une époque vraiment extraordinaire. Et ces gens-là font des recherches incroyables, OK? Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a à peu près, grosso modo, 12 900 ans, où le monde est replongé dans une... de façon dramatique, dans une glaciation, un retour aux températures les plus froides de l'ère de glace et ce qu'on appelle maintenant le jeune Dryas, de Young Dryas en anglais. Et on relie cet événement-là qui a marqué notre, notre histoire, hein, parce qu'on sortait d'une période de glaciation pour avoir une période de, de clémence, hein, parce que tout est cyclique, on en parle souvent. Et soudainement, paf, on est replongé dans une dramatique remontée vers la glaciation, une chute des températures spectaculaire qui ramène les températures les plus froides de l'ère de glace qu'on venait de quitter. Et on attribue cet événement-là maintenant à une comète qui serait venue frapper, pas n'importe où, qui aurait frappé les Laurentides, l'hémisphère nord. Et euh, ça semble être de plus en plus euh, une piste qu'on qu étudie. Et on sait que cette comète se serait fragmentée hein, en plusieurs, plusieurs par parties, morceaux, et qui aurait frappé euh, l'ensemble de la planète, puis son plus grand impact. A été en Amérique du Nord. Et on n'a pas de, de preuve physique de cette cratère-là, mais on le voit dans l'analyse des euh, sédiments et des couches de glace. Hein. Parce que cette, cette comète-là a frappé l'Islandis laurentien, qui était des 2 à 3 000 d'épaisseur de glace. Donc, la comète, naturellement, son sa marque, sa, 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 la preuve de sa présence a fondu dans la glace et n'a pas été enregistrée dans le corps de la Terre, dans la Terre elle-même. Et c'est vraiment fascinant. Et on aurait assisté naturellement à une propulsion de masse, de manteau de poussière qui a été envoyé dans... Euh, l'atmosphère, hein, qui a recouvert l'atmosphère et qui a empêché et bloqué, naturellement, la chaleur du soleil de nous atteindre. Et toute cette histoire-là, cette période-là, on va aller voir ça ensemble, hein, le fameux euh, jeune Drias, de 12 900 ans avant euh, Jésus-Christ, était un retour à des conditions glaciaires Réformant temporairement la le progressif réchauffement climatique après la dernière période glaciaire maximum commencée, qui avait commencé à baisser ou à diminuer aux environs de 20 000 ans euh, avant euh, notre période. Il est nommé d'après un indicateur, le genre euh, l'alpin, toundra, fleur sauvage, Drias octopetia, comme ses feuilles sont parfois abondantes. Euh, patati, patata. Bon. Les recherches géologiques ont mis à jour des preuves matérielles d'une forte baisse de la température sur la plus grande partie de l'hémisphère nord. Ce changement de température a eu lieu à la fin de ce que les, scien les sciences de la Terre appellent l'époque du Pliostécène et immédiatement avant l'époque actuelle plus chaude de l'Holocène. En archéologie, cette période coïncide avec les phases finales du Paléolithique supérieur dans de nombreux domaines. Le jeûne drias est la plus récente et la plus longue de plusieurs interruptions du réchauffement progressif du climat de la Terre depuis le dernier maximum, solaire, euh, exa, maximum glaciaire, pardon. Le changement a été relativement soudain et s'est produit au cours de décennies, entraînant un déclin de 2 à 6 degrés Celsius, et l'avancée des glaciers, les conditions plus sèches sur une grande partie de l'hémisphère nord, tempérées L'Islandiste laurentien est une immense couche de glace qui couvre des millions de kilomètres carrés, y compris la majeure partie du Canada. Et une grande partie de, du nord des États-Unis, à plusieurs reprises au cours des époques glaciaires quaternaires, hein, euh, la dernière avancée av euh, couvrait la majeure partie du nord de l'Amérique entre 95 000 ans à 20 000 ans avant nos jours. Entre autres effets, géomorphologiques. Euh, Et ont creusé les cinq grands lacs et les autres des lacs euh, plus petits du bouclier. Canadiens, ces lacs s'étendent de, des territoires du nord-ouest, euh, Lac-Champlain, Lac-Georges, les, euh, les lacs dans les Appalaches, et ainsi de suite. Donc, ce qui est important de réaliser là-dedans, c'est que, bon, dans les récits bibliques, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Souvent, qui sont les récits euh, les plus. Euh, juste au niveau de l'histoire, des événements de, de référence à des événements majeurs d'inondation. On n'a qu'à penser à la fameuse histoire de Noé, qui, je pense, n'a plus besoin d'être prouvée. On ne parle pas nécessairement de l'histoire euh, générique de Noé hein, et religieuse, mais le, le fait qu'il y ait eu une inondation majeure, il n'y a personne qui peut... Euh, nier ça maintenant. Et dans la mythologie iranienne aussi, on a notre Noah, hein, Yéma, une catastrophe cométaire et une nouvelle ville souterraine massive découverte en Turquie. Parce que selon ce récit-là, hein, de mythologie, il y aurait eu un, un refroidissement majeur, un dragon qui serait venu jeter une glaciation totale et qu'on n'aurait pas construit naturellement une, une arche, mais des... Euh, des villes souterraines pour se protéger de ce froid et euh, emmagasiner euh, toutes les semences et les graines nécessaires à la survie. Euh, ça nous vient de Graham Hancock, que j'aime bien. J'ai visité un certain nombre de villes souterraines de la Turquie maintenant. Une autre a été trouvée et le rapport est intrigant, cela me rappelle d'anciennes traditions iraniennes l'Iran et la Turquie sont des pays voisins, concernant Yima, c'est l'équivalent iranien de Noé, et les précautions prises pour préserver la vie humaine lors d'un épisode de froid soudain et intense qui a saisi le monde dans une préhistoire lointaine. Cet épisode de froid aurait-il pu être le dryas le plus jeune? De 12 800 ans à 11 600 ans, et si tel était le cas, les villes souterraines seraient-elles beaucoup plus anciennes que les, ar les archéologues ne le croient? Voici quelques brèves notes que j'ai faites sur la tradition iranienne. Ariana Vaidjo, paradis iranien ancestral, climat doux et productif, avec sept mois d'été et cinq mois d'hiver, riche en faune et en récolte, ses prairies. Débordant de ruisseaux, ce jardin de a été converti à une époque, converti à une époque rapportant les écritures zoroastriennes en une terre inhabitable. Donc, euh, Angra euh, Menyo, qui est Pleine de mortes a créé une opposition au même, un serpent puissant et de la neige. Il y a dix mois d'hiver, deux mois d'été. Ils sont froids comme l'eau, froids comme la terre, froids comme les arbres. Il y a tout autour des chutes de neige épaisses. C'est le pire des fléaux. Donc, on a cette histoire-là qui nous est rapportée. Il y a mal à belle sur le monde matériel. Un hiver fatal est sur le point de s'abattre, ce qui provoquera une gelée violente et destructrice. Le mal de l'hiver viendra. Sur le monde corporel, c'est pourquoi la neige tombera en abondance. Les trois espèces d'animaux disparaîtront celles qui vivent dans le désert, celles qui vivent au sommet des montagnes et celles qui vivent au fond des vallées, à l'abri des écuries. Par conséquent, fais de toi un var, un hypogée ou une enceinte souterraine. La longueur d'une piste d'équitation aux quatre coins amnésie les représentants de toutes sortes d'animaux, grands et petits, du bétail, des bêtes, de somme, des hommes, des chiens, des oiseaux et des feux ardents. Tu feras, tu feras couler de l'eau, tu mettras des oiseaux dans les arbres au bord de l'eau, dans une verdure éternelle, des spécimens de toutes les plantes, des plus beaux et des plus parfumés, et de tous les fruits, des plus succulents. Toutes ces sortes de choses et de créatures ne périront pas tant qu'elles seront dans le fameux ou cette espèce de ville souterraine. Donc, hein, euh, vraiment, vraiment euh, très, très, très intéressant. C'est ce un, un, un autre document, Avant Noé, réplique possible du, possible du mythe de l'inondation chez les proto-indo-iraniens. Ce document traite du déluge et ce n'est pas un sujet de prédilection dans les études indo-iraniennes. Je vais essayer de le relier aux figures mythologiques de Yima, entre autres. Donc, cette histoire-là, vraiment, euh, fait du chemin et c'est vraiment pas du euh, délire. Maintenant, c'est pas étonnant non plus que Platon hein, pointe exactement à cette époque-là de ce jeune brillance, hein, 11 600 ans, pour nous parler de cette ville qui serait disparue soudainement d'inondations majeures et de tremblements de terre. On parle ici de l'Atlantis, qui, euh, selon Platon, nous remonte ça à 9000 ans avant euh, Solon, qui lui était, euh, a été euh, identifié comme étant 600 ans avant le Christ, ce qui nous ramène à 9600 ans avant le Christ, ce qui nous donne exactement 11 600 ans. À cette période fatale où une comète serait venue frapper et aurait changé complètement le cours hein, de l'histoire du réchauffement et euh, nous aurait amené des inondations complètement, complètement généralisées et majeures, naturellement, avec la fonte de ce que ça a amené comme fonte de glace. Euh, ces, ces immensités de glace qui se sont liquéfiées. Donc, cette période-là est exactement, coïncide exactement avec le récit euh, de Platon. Et vraiment, c'est très intéressant, toute cette histoire-là, qui, dans le fond, est complètement, complètement véridique et qui est, un, dans le fond, une de ces routes qu'on emprunte pour arriver à l'histoire au point où nous en sommes aujourd'hui, et non pas le raccourci que nos grands académiciens euh, aiment bien prendre. Hein. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a eu ce manteau, hein, de, après ça, de, de poussière qui s'est euh, propulsé autour de, de notre belle planète et qui nous a amené naturellement des, des refroidissements, l'effet ré le ré du réchauffement a été stoppé pendant 1600 ans. Ça a pris 1600 ans avant de se débarrasser de ce manteau de poussière pour qu'on puisse reprendre mais, le chemin de, du réchauffement. Maintenant, il y a un autre auteur, Barbieri Flavio, des années 70, qui était très populaire, qui avait écrit un livre, Civilisation sous la glace, où, effectivement, il nous parle de, probablement, l'Antarctique comme étant... Euh, le lieu de cette fameuse ville ou cette civilisation plutôt de l'Atlantis. Selon l'analyse conclue dans mes travaux précédents, l'impact d'une... Et lui, c'est le premier dans les années 70 à faire référence à une comète ou à un astéroïde pour initier un, initier un processus euh, qui entraînerait une rotation de quelques jours autour de l'axe de la Terre, puis un changement constant des pôles et les différences dans euh, tout ce... Ce système-là dans lequel on évoluait à l'époque, ce processus implique une série d'événements dévastateurs clairement identifiés tels que une forte hausse temporaire du niveau de la mer sur la plupart des côtes du monde, de l'ordre de centaines de mètres dans certaines zones et probablement de plusieurs milliers, ouragans, vents forts, pluies dans le monde entier, tremblements de terre dans les zones impliquées dans le réaménagement des terres. Réveil soudain et violent de l'activité volcanique, les fluctuations du champ magnétique de la terre le durcissement temporaire du climat dans le monde en raison des effets combinés de ces phénomènes en plus du nombre temporaire du change, de changement climatique permanent en raison du mouvement des pôles et la variation de la rotation de la terre déplacement des pôles associés aux zones de changement de climat dans les précédentes fortes des font des calottes glaciaires aux réformes dans le nouveau pôle il existe des différences dans les courants atmosphériques et océaniques qui permettent des changements climatiques locaux l'effet des modifications de l'axe est beaucoup plus important et généralisé car il implique une modification des différences climatiques saisonnières avec des implications importantes pour le potentiel d'accumulation de glace et la répartition de la flore et de la faune l'une des fortes inclinations inclinaisons impliquent une réduction de l'accumulation de glace. En hiver, la neige est fondue, les températures estivales sont élevées, quelle que soit la latitude, les calottes glaciaires et, le, et la montagne diminuent et le niveau de la mer monte. La flore et la faune sont réparties dans une bande de climat étroite en raison de l'énorme charge de, sur l'environnement résultant des fortes variations saisonnières du climat. L'hiver polaire suit les précipitations estivales. Et c'est comme ça et ça continue. Et les mythes sur le déluge, la disparition de l'Atlantis et la fin du monde, un ensemble cohérent de traditions qui semblent être liées à l'incident qui s'est produit il y a bien longtemps sans doute, mais bien sûr, la gamme de la mémoire est digne de mémoire, car c'était un signe rare que la disparition soudaine de grandes cultures paléolithiques, euh, de ces cultures qui au final témoignaient de la civilisation actuelle. Donc, il associe vraiment, vraiment... Euh, tout ça à ça, je vous laisserai le lien parce que c'est quand même assez long, mais tout ça fait vraiment, vraiment euh, lit vraiment tous ces événements-là ensemble et ça semble vraiment, vraiment bien se tenir. Et je peux vous dire une chose l'histoire n'est pas aussi simple qu'on veut nous la présenter la plupart du temps parce qu'on a emprunté trop souvent des raccourcis et c'est ça qu'on est en train de découvrir et on n'a pas fini de découvrir il y a peut-être encore plus à découvrir que, et sûrement plus que ce qu'on a découvert. Je pensais vraiment que c'était pour vous intéresser et ça remet vraiment plusieurs, plusieurs choses vraiment en question et c'est vraiment fascinant tout ça. Euh, vraiment un terrain à explorer plus qu'on le pense. Je vous reviens.